Et c'est reparti, let's go! Allez, vous n'avez rien loupé, comme d'habitude. Cut VOD, mais suite direct. Il va rien avoir, c'est ça? Vous allez, Max. Bonjour la compagnie. Eh, salut, on dirait que votre groupe s'est aventuré hors des sentiers battus. Tant pis pour vous. Pour votre malheur, vous avez rencontré le tireur le plus rapide de l'Ouest. Vous voyez cet homme là-bas? Il s'appelle Zal et c'est le lanceur de fléchettes le plus rapide de toute la côte des épées. Si j'étais à votre place, je n'éprouverais pas la patience de cet homme. Alors réfléchissez un peu et donnez-nous tout de suite votre argent. Sinon, vous risquez d'avoir tout un tas de problèmes. Seriez-vous un crétin? Le lanceur de flèches le plus rapide? C'est la pire absurdité que j'ai entendue de ma vie. Très bien. Dites à Zal de nous montrer ça. Ok, je ne veux pas d'ennui, s'il vous plaît, prenez l'argent et laissez-nous en paix. Non, je ne veux pas me battre contre deux imbéciles. Si vous donnez mon argent, allez voir ailleurs. Non, non, allez. Petite provocation directe. Allez, Vax. Allez, Zal, montre-nous ça. Sortez de ça, Zal. Ils ne prennent pas au sérieux, apparemment. C'est le moment de leur donner une bonne leçon. Je regrette, mais ça va faire mal. T'inquiète. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Oui. Oui. Tac, tac, Jaira, elle a quoi? Petite bénédiction? Sur Minx. Moins de paroles, donc j'accepte, en dépit du bon sens. Si je ne réussis pas du premier coup, ma bonne femme ne me laissera pas oublier cet échec. Qu'y a-t-il? Je ne comprends pas cette magie de la souris qui me fait faire vos quatre volontés. Ok, ouais. Il me fait avoir besoin de soins pour m'en sortir. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Je suis prêt. Juste pour voir si j'arrive à les tuer. Ok, 17 points de dégâts. C'est dommage qu'ils aient visé... C'est dommage qu'ils aient visé Minx en premier. On recharge. Edwin. Ce sera fait. Donc là, si je leur dis, hey, je peux avoir un autographe. Cet type veut qu'on leur signe un autographe. Le groupe a acquis un objet. Oh lol. Comitar et ses amis, affectueusement. Daryl, Daryl et Daryl. Ok. Aucun problème. Ah oui, si, il y avait des squelettes. Il y avait un peu d'XP. J'aurais dû sauver juste après, histoire de ne pas refaire le combat. Pff. Les yeux, Bou. Il faut pour briser les yeux. S'il n'y a pas le choix. T'as un comitard qui arrive, qui se prend déjà des dégâts, quoi. On va dire... Ah, ah, score. Bon, la potion. Ok, c'est lui. À l'aise. Vous êtes une bien étrange personne. Voilà, vous coupez. Toi, vous êtes sur le cobalt. Le serviteur de dame à vos ordres. C'en est fini de vos vies inutiles. Les yeux, n'y pas vraiment. Il faut viser les yeux. Je ferai de mon mieux. Non mais les flèches, ça va, on en a assez, ça sert à rien de les looter. Après 3 pièces d'or, vous allez me dire, t'as 10 700 pièces d'or, qu'est-ce que tu te fais chier à prendre 10 pièces d'or? Ouais, mais justement, 10 pièces d'or par 10 pièces d'or, ça monte. Je me reposerai bien ici, juste au bord de la rivière, là, tranquillement, histoire de recharger les sorts de Edwin, etc. Toujours, hein. Sauvegarde avant le repos. Parfait.
Donc. Ça rappelle, ils sont pas très loin. Qui sont juste là. Donc, Edwin, armure. Sur toi, Jaira. Bénédiction, Comitar, armure de la foi. Minx. Non, lâche pas ton berserker. Ok, là on peut y aller. Les trois là restent en retrait quand même. Bonjour la compagnie. Soyons un crétin. Hop, ok. Qu'est-ce que vous voulez? Vous trois, tapez sur Zal. Edwin, balance-moi tout de suite un projectile magique sur Zal. Je suis tout à vous. Voilà, et de 1. Ma lame vous couvre. Et de 2. Facile. Oui. Oui, facile, oui. Des bracelets, yes. Un scalp de bandit. Ça peut toujours servir le scalp de bandit. Moins 2, moins 1, ok. Bah non. 0, 1. 3, 3, ok. Ah mais ça peut se vendre ça. Ok, un petit scalp et puis le reste, on s'en fout. Et donc qu'est-ce qu'il a d'autre? Ok, une potion pour lui, une potion pour Khalid, un scalp pour Minsk. Et 107 pièces d'or, ok. Ok, Khalid, il peut plus rien porter. D'accord. Ce sera... Sauvegardons. Ah, ça dure pas longtemps, hein, la bénédiction. À la terre. C'est pas un loup des glaces. Go sur le loup des glaces. Focus sur le loup des glaces. J'ai l'air d'attaquer comme ça. Oh. C'en est fini de vos vies inutiles. Je suis prêt. Bon d'accord, ça met du temps. Ah mais non. Justement, à ce moment-là, il est mort. Quoi. Jaira, 12 points de dégâts. Ah, exact. Koitar, level up! Yes. Comme quoi, farmer les mobs, ça sert toujours. Hein? Une tarche, ça on s'en fout. Et. Une oui, peau de loup. Ce sera fait. Parfait. Tac, hop, level up, niveau supérieur. Ah, il a pris son niveau en guerrier. Parfait. Niveau supérieur 1, compétence martiale 1. Cool. Taco réduit de 1, point de vie supplémentaire 3. Putain, seulement 3 PV en plus, quoi. Pff, c'est pas ouf, hein. Il a tellement raté son tir de gain de PV, quoi. Donc, marteau de guerre. On peut monter qu'à 2. Ok. Épée et bouclier, par contre. Ah, ben voilà. Épée et bouclier. Hop. Aucun problème. Oh, on est loin d'avoir tout exploré. Hein. Ok. Oh, le dernier mousquetaire. Ah,
pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Ah oui, non. Oui, c'est ça, Albert, le dernier mousquetaire, ouais. Mais pourriez-vous m'aider? J'ai perdu mon petit chien et j'arrive plus à le retrouver. Il a sûrement très peur maintenant. Désolé, j'ai pas le temps de perdre avec ces broutilles. Il va falloir retrouver ce toutou sans moi et arrête de brailler. Je serais ravi de pouvoir t'aider. Comment je vais le reconnaître? Ça va, merci beaucoup. Je suis rassuré maintenant. Pauvre Ruffy, il n'est pas habitué aux endroits nouveaux et étrangers. Vous pouvez pas le rater, il est tellement adorable. Tenez, prenez ceci. C'est son jouet à mâcher préféré. C'est vrai que vous ne lui voulez pas de mal si vous l'avez dans la main. Et encore merci. Ok, donc il faut trouver un Ruffy. Objet à mâcher. Donc il faut trouver un chien qui s'appelle Ruffy, quoi. Je vais noter. J'ai plus de... Bon. J'ai plus de place sur mon carnet de notes. Ah si. Oh, yes. Une page vide. ok, donc chien. Donc un chien Ruffy. Pour Albert. Qui est au sud de Nashkel. Ok. Est-ce qu'on s'en souviendra? On va voir. Bon. Alors, la suite. Son petit jet, comment refuser un comportement était tellement innocent, il m'a donné un jouet à mastiquer pour attirer la blessure. Putain, c'est là qu'en fait, c'est un gros truc qui va nous arriver dans la gueule. En fait, c'est un petit chien mignon, mais en fait, c'est... Putain de bête féroce. Oh, vous l'avez retrouvé? Ouais. C'est un putain de loup, il fait 2 mètres au garrot, mais c'est un petit chien mignon, ouais. Ah, merci. Ouais, sauf qu'on l'a tué parce qu'il nous a attaqué. Et son jouet, il l'a mâché. Il a pas mâché que son jouet, d'ailleurs. Alors là, il y a un ennemi. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est un Xvart. Je sais pas où il est. Ah, au-dessus, ok. Ma lame vous coupera en morceaux. Xvart et un squelette. D'accord. Facile. Je suis à l'aise. Voilà, à l'aise. Bon, bah, explorons ici au milieu. Si on s'est passé. J'espère. Ouais, c'est bon. Ça va, on sera pas... Ça va passer, oui. Faut y croire. Tac, et là, on fait ça. Voilà. Bon, mais pas de sergent... capitaine de la garde ou quoi. Pas dans ces montagnes-ci, en tout cas. Dommage. Yep, il y a rien du tout. Bon. On peut toujours aller voir là. Même si. Ok. J'adore ces ours qui sont focus sur d'autres. Sur d'autres ennemis. Et donc, ils veulent atteindre Minx ou quoi. Et donc, ils sont en mode. Non, je suis bloqué, mais je dois l'atteindre. Tu fais un beau body block. Ils savent pas quoi faire. Quoi? Mourir en rôle. J'ai l'impression que c'était le jouet à mâcher. Le coup n'est pas passé, tant mieux. Ok.
Il s'est pris un petit coup, mais il a surtout... Ah non, c'est Quality à level up. Génial. Donc, Vitar, il est quoi, à 26 PV, quoi. 26 PV alors qu'il est niveau 3, et Minx, niveau 3, il a déjà 28, quoi. 2 PV de retard, c'est pas... 2 PV, ça va encore, ça va encore. Mais bon, si c'est 2 PV tous les niveaux... C'est ça qui est plein, merde. Minx va... Et un carnage pour la bonne cause. Va fouiller. Tac. Alors les flèches, c'est... Non, les flèches. Tant pis. Ah, ça va, elle a assez de flèches comme ça. Ah, justement, elle a une place de libre, alors on peut lui remettre... hop. Ouais. Hop, ça c'est les 4 objets à faire identifier. Tac, on est bon. Les 2 pots de loup, sauvegardons et faisons monter Khalid de niveau. Level supérieur, point de vie supplémentaire 13. Ah ouais. Lui, il a réussi son jet de dé par contre. Et il passe à 36 PV. Pour un niveau 4, c'est pas mal du tout. Ah ouais. Je... Putain, mais... Niveau 4, elle a 27 PV. Commiteur, niveau 3, il a 26. Un niveau de plus, mais seulement un point de vie en plus, quoi. Ça n'est pas très glorieux. Sauvegardons et... quittons la zone. Allons voir la zone à côté. Voir les montagnes des pics brumeux. Il y a aussi celle-là qui m'intrigue. Et puis à mon avis, faudrait... Je sais plus si j'ai exploré celle-là. Mais il doit sûrement y avoir des trucs là. Et là. Et ce que je vais faire, c'est je vais explorer ça. Ces montagnes-ci. Puis après, ces montagnes-ci. Puis ça. Mais s'il n'y a toujours rien, ben, j'irai au nord de ça. Tac, ici, pour voir ce qu'il y a. Puis nord, nord-ouest, etc. quoi. Ok, j'avais rien exploré du tout. Ce sera fait. Ok. Tiens, quitte à être là. Hop. Est-ce que là j'avais exploré quelque chose? Ah oui, là j'avais traversé. Paf. Ok. Aucun problème. D'accord. Alors ici, j'avais exploré aussi, je parie. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. En ligne droite. Quoi? Ah, oh, un loup. Ok. Les yeux, cœur, n'y est pas vraiment. Il faut viser les yeux. Ah, Minx, ça fait 20 ans. Pion, quoi? Si ça continue, je vais devoir trouver un autre groupe. Non, mais Minx est mort. Heureusement qu'on a sauvegardé juste avant de faire les tests de zone. Ok. Ce sera fait. Bon, bah, bivouacons, hein. Voilà. Aucun problème. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de... Tout va bien. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de soucis dans ce genre-là. Et donc on est reparti hein, pour faire tout le tour. Encore. Bah oui. Et il est 1h du mat. Ok. Petite exploration... des bois 1h du mat. Je vois pas le problème. Oh, quoi? Mon arme s'est brisée, a perdu. À qui mon arme s'est brisée? Humaine détecte les pièges. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? J'ai fait activer la l'IA du groupe activée. J'ai les deux armes qui se sont cassées. What? Hein? Ce sera fait. Mais putain, what the fuck quoi? Comment ça son arme se brise?
Qu'on active l'IA du groupe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, Imone détecte le piège, d'accord. Et puis si tu le reprends en main. Ce sera fait. Oh non, c'est brisé. Bah tant pis, on va pas activer l'IA. Ce sera fait. Ah bah là... Génial. Oh, bonjour. Attends donc qu'on... 4 plus 5 plus 6. Hop là. Ma lame vous coupera un morceau. Allez tout le monde, go. Les yeux, il faut viser les yeux. Tout va bien. Pas de dégâts pour le moment. Pas de dégâts pris. Alors qu'un bon, un ours. Ouais, parfait. Bou aime la forêt. Hein, aucun problème. Bou aime la forêt. Alors, vraiment, la voix de Minx, vivement Baldur 2. Hein. Et c'est là qu'en fait, c'est la même voix dans Baldur 2. Honnêtement, je pense pas que je le supporterais d'avoir, d'avoir cette voix que je ne connais pas pendant 280 heures. Pareil pour Jaira. Hein. Jaira... Oh, un gobelin. Ah non, un gnoll. Ok. Il y en a beaucoup là. Alors ça va, c'est Dexva, c'est Degnol et Dexvar, toi, ça va. Mourez, vous. J'ai rare rune utilisable, c'est juste qu'elle a plus de balles. Vous venez encore me déranger? Oui. En son sort. Je suis tout à vous. Mourez, vermine. Oui. Les yeux, boum. Il faut briser les yeux. Ok, ça se passe. Vous êtes une bien étrange malade. Mourez, vermine. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Ok. Putain, n'empêche ce arme brisée. Pourquoi est-ce que son sac n'est plus plein? Je suis prêt. L'exor, ça sert à rien de fouiller, ils ont rien de toute manière. Il s'est pris 22, mais il a 28. Il s'est pris 10 et 12 d'un coup. Il est mort. Je comprends pas. La mort de Minx, là, je... Attendez, check un truc. Tu. Ok, non, c'est bon, tout va bien. C'est bien ce que je pensais. Je suis dans les temps. Quand elle est au déglace. Écureuil. Il faut viser les yeux. Donc j'accepte, en dépit du bon sens.
un petit jour en moins. Sauvegarde. Ah oui, non, cette sauvegarde est tellement importante. Ah oui. Alors. Ah, je peux jouer. Lol. Nous nous rapprochons d'un cours d'eau. Un chat mort. Yes. S'il n'y a pas le choix. Et Khalid n'a plus de place. C'est dingue, il a rien du tout, quoi. Bon, bah, tu vas prendre toutes les gemmes précieuses. Je pense que je vais faire embarquer un peu trop de flèches quand même. Bon, ça sert à rien, on peut la balancer. Cela, en vrai, je sais pas si ça sert à quelque chose de les garder. Ce pauvre chat paraît s'être trop approché de la cascade tumultueuse dans laquelle vous l'avez trouvé. Ce n'est plus qu'un cadavre brisé au poil détrempé. Ok. Bonne ambiance, hein, bonne ambiance. Tac, 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 ok. C'est quoi qu'il cherche, Albert? Son chien, ok. Bon. Alors, la zone. Tranquille, hein? Tranquille. Pour l'instant, pas grand chose. Ah, si. L'eau effrayant. La dernière fois que j'avais rencontré un loup effrayant, ça s'était mal passé. Ce sera fait. Tranquille. Et cette fois-ci, tranquille. Forcément, avec un peu plus de niveau. Montagne des pics brumeux. Ouais, bah ouais. Attaque le piège. Aucun problème. Ça coûte rien de le faire. Et ça peut éviter quelques mésaventures. Ah. Bon, les distances. Occupez-vous vite fait du gnoll. Okay. Bon, bah. Allez, tous il dessus. Faut viser les yeux. Et d'une monte en niveau, yes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Non, putain, je me suis trompé de sort. Je vais faire le soin, je fais l'armure. Alors, level up. 0, sort de mage 2. Point de vie supplémentaire 5, putain, mais même Edwin gagne plus. Edwin gagne plus de points de vie que Comitar, quoi. Accepté. Alors, livre de mage. Ok, donc ici on a rien en plus. Là on a 3 sorts, ouais, c'est 3 spy web. 3 toiles d'araignée, disons que les toiles d'araignée c'est pas non plus. C'est pas ouf.
c'est bien, mais... C'est... En fait, c'est bien, mais en fait, non. Oh. Parce que le problème, c'est que ça enchevêtre nous, enfin les ennemis, mais nous aussi également. Arrêtez, vous êtes sur notre territoire. Vous ne portez pas d'ici tant que vous n'aurez pas versé la somme de 50 pièces d'or. Nous n'avons pas d'argent, pardon. Pourquoi est-ce que je ne vous tuerai pas tous autant que vous êtes à de poils de hyène à purin? On juge les personnes non pas sur les actes mais sur la race, hein. Rappelez-vous. Pour cela, mourrez! Non, vous d'abord. Mourrez, vermine. Mourrez, vermine. Je peux toujours essayer. Hein, ce sera fait. Oh, ça se passe. Oh, tu te rends maintenant ou... Non. Aucun problème. Ça rend pas, il se rend pas. Hein. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Et c'est quoi un anneau de jade? Et les inventaires de tout le monde commencent à être un peu remplis, hein. Ok, ok. Ah, encore un loup. Encore un loup des glaces. Ok, un loup effrayant. Ok. Yes, et maintenant, comme il est niveau 3, en fait, ça envoie un nombre de projectiles égal au niveau du mage, moins 1. Et quand il est niveau 3, il balance 2 boules. Bon, après, au niveau 2, niveau 1 et au niveau 2, ça en balance qu'une. C'est logique. Voilà, ça commence à faire 9. Mais dites-vous que s'il est niveau 10, ça envoie 9 boules dans la gueule. S'il est niveau 15, ça en envoie 14. Par contre, je sais pas si les dégâts sont augmentés au fur et à mesure de la montée de niveau. Ou ça reste toujours 5 et 4. Ça, je sais plus. Essayez de me tromper une fois et la honte s'abattra sur moi, vous. Je m'en vais. Ok, t'es le. Essayez de me tromper une seconde fois. Parce que vous. Et attention à vous. Je suis énorme. Au secours! Cassez-vous! Parfait. Bon alors, qui peut encore prendre une peau ici, là-dedans? Ah ouais, ok. Oui? Je pensais que son inventaire était plein. Ouais, pas de garde, hein. Toujours pas de garde. Ok. Ça me ferait... Je me rappelle de... Du début, plus ou moins, de Baldur 2. Caldo, Crum et... Guerrière de Pic Brumeur. Ok, reculé. En fait, on doit réunir une certaine somme pour que la guilde des voleurs nous aide à aller chercher les moines, etc. Ça me ferait marrer qu'en fait, on ait déjà la somme dès le début. Parce qu'en fait, comme on n'a pas la somme, on va faire énormément de quêtes et de quêtes annexes, etc. Et on part dans certains endroits, je sais plus trop lesquels. Mais c'est marrant. Avance pas tout seul. Les gentils esprits, la superbe vieux chêne est en danger. D'accord. Deux individus prêts à piétiner notre majestueuse nature projettent de l'attaquer. Ils ont effacé ma magie. Quelqu'un doit les arrêter avant que le mal ne soit irréparable. Alors, écouterez-vous mes arguments? Alors, seul le plus ignoble canaille profiterait d'un tel esprit gentil de la nature. Allez-y, je m'en occupe. Non, de plus ou de moins, quelle différence? C'est qui parle? Et non, c'est que... Ouais, non, c'est Comita. Combien me donnez-vous si je vous aide? Je prends pas de risque gratuitement, vous savez. Non, mais non, c'est... Allez-y, je vais m'en occuper. Je vous remercie, car bien que l'intelligence ne semble pas leur fort, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. C'est par là. Ils sont juste là devant.
Il veuille. Hé, hey, moi, je suis Kaldo. Et lui-là, c'est mon frère, Crum. Ok. Nous pensons que cet arbre cache un trésor. Si vous voulez participer et nous aider, allez-y. Sinon, moi et Crum, on peut devenir méchant. C'est pas vrai, Crum? Et là, c'est... Qui est en vert? Ça doit être Jaira ou c'est Khalid? Allons-y, mon bonhomme. Des richesses dépensant toutes nos espérances qui nous attendent, j'en suis sûr. N'avez tout de même pas faire ça. Regardez comme cet arbre est beau, c'est une vraie merveille de la nature. Bon, si vous n'hésitez pas, je vais pas vous rester là à nous regarder travailler. Vous allez sûrement nous voler une fois le travail fait, hein. Ouais, et Crum, on n'aime pas trop les bandits. Dis-leur, Crum. Quoi? Ouais, nous non plus. Il faut viser les yeux. Nous aussi, on n'aime pas les voleurs. Ni les truands, ni ceux qui coupent des arbres. Je suis prêt, ce sera fait. Alors, petite potion de poisson, de poids, de boisson. Besantine, elle a déjà une besantine. Ok, ça sert à rien. Grand bouclier et l'écu. Ouais, mais le grand bouclier il protège plus un contre les poses d'armes à projectiles, mais l'écu non. Hein. Classe d'armure, hein. Ok, c'est ça. Et là, c'est juste un simple 1d6 plus 1, et là, c'est 1d6 plus 1. Ok, c'est un fléau normal. Ok. Aucun problème. Du calme, chérie. Nous devons procéder doucement. Nous sommes plutôt de bonne humeur. Quelle en est la cause, si je puis me permettre? Si tu veux vraiment le savoir, je propose de nombreuses pensées agréables et l'une des plus plaisantes est l'extinction prévisible de ta pathétique organisation. Extinction? Je crois pas. Crois-tu pouvoir cacher un tel détail à mon intellect prodigieux et mon œil averti, ménestrel? Mais ne t'inquiète pas, ta congrégation de l'ombre mourante ne fait pas partie de mes intérêts. Nous ne sommes pas mourants. Avec des recrues dans ton genre, que peuvent espérer les ménestrels? Oh putain, la violence de Khalid, de Edwin, quoi. Je suis fier de ce que je suis, et ma valeur est connue de tous mes supérieurs. Tes maîtres ne t'accordent aucune valeur, sauf quand tu leur es utile. Ils se soucient probablement pas du tout de ta mort, sinon parce que cela les forcerait à envoyer quelqu'un d'autre pour faire leur travail. Je remplis ma tâche pour des hommes et des femmes qui ont davantage de valeur. Oh, je n'ai pas la patience. Ma fine ironie est gâchée avec cet homme. Je vous remercie. Voici une potion qui vous aidera à vous aider au cours de vos voyages. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. Réputation augmentée de 1. Ben voilà, on a quand même gagné un point de réputation pour compenser celui qu'on avait perdu avec Prism. Yes. On sait quoi? Antidote. Génial. C'est pas ce que j'aurais espéré quand même trouver. J'aurais préféré trouver le garde. L'autre garde là. Mais bon, c'est mieux que rien. On va finir d'explorer ça et puis on fera la petite coupure VOD. Hein. Loup noir, c'est ça? Ah, il y a une grotte là. Bah, vous savez quoi? On va faire le cut. J'en ai assez. Enfin, juste après le combat, on fait le cut. Et comme ça, on explore la grotte dans la nouvelle VOD. Bah oui. Hop. Voilà. Sauvegarde. Et puis YouTube. On se dit à... Tac. Normalement, cette VOD-ci, ça sera à lundi. Et si je me trompe, bah à demain.